Coupe du Monde 2018, la France affronte le Danemark. C'est le dernier match de poule pour la France. En direct de Moscou, Anthony Joly, l'envoyé spécial de France Info, revient sur les enjeux principaux de cette rencontre. Pour la France, l'enjeu est simple, terminer première de son groupe. Pour cela, même un match nul serait suffisant. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018, les Bleus rencontrent le Danemark et ne veulent surtout pas prendre ce match à la légère. L'équipe de France veut à tout prix éviter une défaite, car elle l'amènerait à affronter la Croatie en huitièmes de finale. Les Français veulent également répondre à la petite pique adressée par le sélectionneur danois. Il avait jugé que l'équipe était avant tout une somme d'individualité et pas forcément un collectif. Les supporters en renfort. L'équipe de France pourra compter ses supporters. En effet, les Bleus seront encouragés par un contingent de supporters, plus important que lors des précédentes rencontres. Plus de 5000 personnes devraient être présentes en tribune dans le stade de Moscou, Russie.